c'est à tous ses amis, c'est Antoine 17, comment allez-vous, moi c'est Antoine Nickel. Connaitude, on se roule les hecs. Rétro, il vaut plutôt Mathia. Non, c'était pas encore Mathia, c'est Maurizio arrivé bene. Non, Marco Mattiacci. Ah, mais je suis pas arrivé à m'en souvenir d'une fois l'autre. Marco Mattiacci. T'inquiète, il est resté qu'un an après on passe à Yeri Vébene. Ouais, mais sauf que ça fait un petit moment qu'on a fait jouer. Eh oui. Cette troisième manche a été repoussée. Et donc, si tu es Marco Mattiacci, c'est parce que nous sommes sûrs. F1 2014, la carrière d'Antonin, saison 5 sur F1 2014, comme tu l'as dit aujourd'hui. Troisième rendez-vous de cette saison 2014 de Formule 1. Les qualifs, pardon, c'est mieux, du Grand Prix de Bahreïn 2014 de Formule 1. Eh oui, et c'est la balade pour l'instant. Eh oui. Est-ce qu'elle va continuer cette balade? On va peut-être encore être obligé d'augmenter le niveau. Hein. On va voir. Puisque nous sommes... À deux victoires en deux Grands Prix et un grand chelem. Non, t'as pas fait le meilleur tour en course l'autre fois, mais pas loin du grand chelem encore une fois. J'ai pas fait le meilleur tour en course. Ah non. Coup. Bien vu. C'est Vettel qui avait fait le meilleur tour en course. Bien vu, bien vu. Donc voilà, donc tu as du coup 17 points d'avance sur Lewis Hamilton, 24 sur Nico Rosberg, les deux Mercedes sont là, ça va être nos plus sérieux adversaires, et Fernando Alonso fait que on est aussi en tête du championnat du monde des constructeurs, puisqu'elle a mis 26 points, Massa 5e, 6e Ricardo, 7e Vettel, qui après un premier abandon sur le premier Grand Prix s'est rattrapé avec une 3e place au suivant. Hülkenberg 8e, Button 9e, 10e Magnussen, 11e Bottas, 12e Perez. Et voilà donc les pilotes qui ont marqué des points pour l'instant. Voilà, pas de grosse surprise hein, pour l'instant. Non. On est dans une certaine logique. Si, à Massa avec cette belle 5e place du côté de chez Williams. Et puis oui. Un Ricardo qui fait une bonne arrivée du côté de chez Red Bull. Hein. Et les McLaren qui sont là aussi. Hein. Le constructeur ? Donc voilà, on a 11 points d'avance sur Mercedes, ça va être une belle bagarre, hein, je pense, tout au long de la saison. On va voir à quel niveau nous on se situe, mais on va falloir voir aussi à quel niveau se situe notre coéquipier Fernando Alonso. Red Bull, déjà bien en retrait avec 39 points de retard, arrive derrière, une belle perf donc pour Williams, 4e, 5e McLaren. Donc deux écuries qui se cherchent un peu entre deux eaux, hein, deux écuries sur la pente descendante, mais qui résistent pour l'instant. Force India 6e et non pas marqué de pas encore, Sauber, Scuderia Toro Rosso, Lotus et Caterham, tout comme Marussia, pardon. Alors je voulais juste... Non, c'est pas ça que je voulais voir. Ouais, non, si, c'est bon, je suis bien professionnel, j'avais un doute. Donc, qualif aujourd'hui, un Q1, Q2, Q3 comme d'habitude. Mmh. Et puis écoutez, oui, et puis écoutez, on perd pas plus de temps, on y va. Oui. Petit mot sur les essais libres. Oui. Que tu as dominé Finger in the Nose. Avec 3 secondes d'avance sur Sebastian Vettel. T'as tourné en un peu moins d'une 37. Gros chrono. Là, tu viens de refaire un petit 1.36.8 en chrono. Logiquement, si on est aux alentours en dessous de 1.37, je pense qu'on a largement la pole. On va voir ce que ça dit. Premier Grand Prix de Bahreïn de nuit, hein. C'est donc le 3e Grand Prix de nuit de l'histoire de la Formule 1 après Singapour en 2008. Et que se passe-t-il avec les yeux de notre ingénieur? Allez, donc la Q1. Le réglage qui est déjà chargé. On change le carburant. Ah, c'était la bonne blague. Les pneus options. Et puis écoutez, on y va. C'est parti. Tour lancé. C'est parti pour ce premier tour qualif. Circuit maintenant bien connu des amateurs de Formule 1. Arrivé au calendrier en 2004. Ouais, premier gros virage au bout de la ligne droite. Une droite assez longue quand même. Et tout de suite un bel enchaînement là de virage. C'est quand même un très très beau circuit. Hein. Il y a tout sur ce circuit. La vitesse de la partie plus lente. Un virage avec un freinage très très court. Allez. Partie où faut pas se faire déporter là. Bien enchaîné. C'est limite. Oh là, c'était limite les deux fois.
T'as déjà passé ça mieux que ça, tu es un peu laissé entraîner par la vitesse. On va arriver dans une sorte d'épingle en deux temps là. Faut déjà mettre un petit coup de frein pour commencer. Bien aborder l'épingle derrière. Voilà, c'est bien passé. La grande grande ligne droite. Deuxième zone de DRS. Avec là-bas aussi un freinage où il faut pas se louper parce qu'on se déporte assez rapidement. Bien anticiper ce freinage, voilà, c'est bien passé. Là, on a un petit freinage sans trop de repères, il n'y a pas de pancarte sur le bord de la route. Hop, il faut freiner au niveau du grillage que vous voyez sur le côté. Et là, on rentre dans le l'avant-dernière ligne droite. Dernier virage avec un freinage classique à 100 mètres. Et on va voir le chrono. Ah, t'es en 1.37, je pense. Ouais, c'est... Ouais, j'ai trouvé mon tour très moyen. C'est moyen, moyen. Mais ça devrait largement se faire. Ouais, 1.37.3. T'en fais un deuxième pour le fun ? Pas. Tu veux voir s'il y a des chronos avant de... Ouais, ouais, ouais. Allez, on rentre au garage. On va faire un one shot à chaque fois. Ah bah déjà oui. Bon, il n'y a pas les meilleurs pilotes hein. Ouais, ça va descendre. Ouais. On rappelle souvent en plus ils sont en prime pour le oui. Pour le premier run. 3 secondes, hein. C'est ce qu'on avait en essai libre. Ouais, tout à fait. Ah, le gap est quand même un peu inquiétant hein, pour l'intérêt. T'es bien obligé de remonter assez rapidement le niveau. Hein. On va voir, hein, le premier Grand Prix avait été intéressant. Après, c'est une question de réglage aussi. 3 secondes. Allez, on va voir. Les éliminer. Pastor avec la Lotus. Ouais, pas de surprise. Jules Bianchi, Kobayashi, Chilton, Ericsson. Non, aucune surprise. On va voir un peu le classement. Qui s'en sort bien. Bon, on a les deux. Non, pas de surprise là. Zéro surprise. Kenberg, hein, toujours. Ouais, ouais. Là, hein. Et Magnussen avec la McLaren, mieux que son coéquipier. Et Vergne qui. Grosjean qui passe de justesse. Hein. Vergne et Gviat vont-ils arriver à rentrer dans les points? Toro Rosso qui cherche toujours des points sur ce début de saison. Ouais. Et Jean-Éric Vergne qui n'en a pas marqué dans notre championnat l'année dernière, on le rappelle. Oui. Allez, Q2. Nouveau pneu option. Et puis c'est parti pour cette Q2. Il faut faire le même en un peu mieux. C'est moins déporté sur les deux virages où il y a un peu de vitesse. Ouais, en un peu plus propre. Histoire de passer sous le 1.37, ça serait sympa. Ça va être dur de faire mieux que une 36.8, une 36.7. Ça serait déjà bien si on arrivait sur ces temps-là. Groupe d'entrée. Un circuit facile à se mémoriser en plus. Il est maintenant ultra connu dans le monde de la Formule 1. Donc chaque millimètre est connu. Ah, c'est bien plus propre là, c'est pas mal ça. Pas mal du tout, attention à la presque chicane. J'ai pas regardé ton premier temps de passage, c'est une erreur de ma part. 30.2. Ah bah t'étais dans les temps. Si c'est propre, alors est-ce qu'il y a la vitesse? Ça, c'est l'autre. C'est une 13, hein, je crois, le temps de passage là pour être bien. Et une 12.3, t'es pas mal du tout, je pense. Hein. Ça vient d'essayer de pousser en dessous des 30 pour le premier passage. Il a peut-être en dessous d'une 12, ça voudrait dire un gros chrono derrière. Ou le plot. Ou moins plusieurs T là. Bah t'es dans les temps de tout à l'heure, hein. Peut-être un peu mieux. Hein. Ah 36, oui, 36.5, hein. Il est beau celui-là, il est beau. Allez, accorde peut-être 2-3 petites erreurs que tu peux gommer, notamment ouais. 11 derniers virages où t'as attaqué bien en tête là.
Bon, ça suffit, hein, c'est pas la peine de pousser plus loin. Ouais, on retourne au garage. Ça va être une courte vidéo, hein. Ouais. Ah, ça s'est Ah, ça s'est rapproché. Une seconde 7. La bagarre en piste va peut-être être un peu plus intéressante pour le Grand Prix. Ouais. Je pense que pour la pole, ça va être plié. Ne parlons pas trop vite. Magnussen qui passe à la place de son coéquipier. Ah non, ah, ça s'échange les positions. Button qui repasse. Bottas toujours là avec la Williams. Hein. Et Williams qui perd par contre beaucoup d'argent durant ce Grand Prix, puisque je rappelle qu'ils sont sponsorisés par Martini. Et étant dans un pays musulman, ils n'ont pas le droit d'afficher leur sponsor. Donc ils perdent beaucoup d'argent sur ce Grand Prix. Alors, voilà. Les éliminer. Alors, attends, oui, vas-y, puis on fera un petit tour. Bah, pas de surprise, hein, les deux Toro Rosso, la Lotus de Grosjean, la Sauber de Sutil, la Force India de Perez et la McLaren de Magnussen. Et donc, on a la Red Bull de Vettel juste derrière nous, les deux Mercedes, Alonso est là, Ricardo est là, les trois meilleures écuries sont aussi première place. Et un Nico Hülkenberg qui fait du bon boulot quand même avec la Force India depuis le début de la saison. Et derrière, on a les deux Williams qui sont aussi présentes et Button qui sauve les meubles de justesse. Tout à fait. Et pour 8 millièmes, il a sauvé les meubles, non? Oui. Ouais, eh oui, 8 pour millièmes, 8 millièmes. Oh là, ça ne joue à pas grand-chose entre les deux McLaren. Allez, la Q3 désormais. On va essayer un peu de se challenger pour cette Q3. C'est parti. Ouais, est-ce que tu peux descendre sous les 36,5? Allez, il faudrait passer sous les 20, sous les 30. Déjà au premier pointage, ça serait pas mal. Hein. C'est là où on fait un gros écart, hein, sur le premier secteur. Ouais. Comme souvent dans ces jeux de F1, hein, c'est un classique là de faire des gros temps sur le premier secteur. Après, ça s'équilibre un peu plus. Mais attention aux IA, hein, voir si elle se rapproche ou pas. Sur F1 2013, on l'a vu l'année dernière, il y avait de grosses différences de chrono d'une séance à l'autre. Attendez le freinage là, est-ce que ça va payer? Ah oui, t'améliores encore. 31. Peut-être pas mal passé là du tout. Pas du tout déporté. Bien passé là. Ah, peut-être un poil large. Ouais. On va voir ce que ça dit au niveau chrono. C'est un virage très technique, hein. Passé aux alentours des 1-12. Bien, pas se faire déporter tout en gardant de la vitesse, c'est un gros challenge là. Peut-être un poil lent. Ouais, t'es dans les temps de tout à l'heure. Hein. Ça vaut normalement encore un 1.36 si tu te loupes pas sur le dernier virage. Une voiture qui s'améliore au fil des tours, ça aussi c'est intéressant. Attention, attention, attention! Une 36-0! Ouh, il est beau celui-là! Il est beau! Ah, tu vois, je pensais pas que tu pourrais descendre si bas. Hein. Tu en fais un deuxième? Ah, oh, bah oui! Bottas, Ricardo pour l'instant, deuxième, mais les meilleurs sont pas passés. Vettel, on va voir. Vettel, passe devant son coéquipier. Je vais voir où est-ce que j'en suis pour pas trop taper dans les pneus non plus. Tu veux essayer. Oula, louper le virage! Bah non, allez, c'est bon, on rentre. Un peu déconcentré là. Hein. Ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ce sera pour l'année prochaine, bon. le 35. 2 secondes, hein, sur Vettel. Hamilton qui vient passer devant Vettel. Vettel va avoir du boulot, hein. Et voilà, les encore une fois les trois meilleures écuries aux 6 premières places. Et voilà, troisième pole de la saison. Troisième pole de la saison.
Lewis Hamilton nous accompagnera sur la première ligne. Ça va valoir un bon départ, hein, un bon Ouais, tout duel. à fait. Avec deux fous furieux aussi derrière nous, Vettel et Rosberg. Ricardo Alonso sont également là en troisième ligne. Et sur la quatrième ligne, on aura les deux Williams. Hein, belle perf des deux Williams. Oui. Septième et huitième. Nico Hülkenberg, neuvième. Et Jenson Button, dixième. Il y a clairement trois écuries et le reste de la troupe là, sur ce début de saison. Hein. Tout à fait. Bon, et bah, est-ce que ça annonce une course prometteuse demain? Best lap, Antonin. Yeah! Good job, third pole of the season! Let's finish the job tomorrow. Puis donc d'ici là, le casque aura eu le temps de s'être refait par mon designer de casque attitré. Quelques petits problèmes avec la marque qui fabrique mes casques. Enfin, qui fabrique le modèle de casque que j'utilise. Allez, on se retrouvera demain. Eh oui. Est-ce qu'on alignera une troisième victoire après une troisième pole? Je l'espère. Bon, et eh bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, je pense très courte vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a duré, Ouais, une mais vingtaine de minutes, non? bah, je sais pas, à voir, vous aura plu. Si elle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. À vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, ça fera également super plaisir. Et ça donne de continuer mon aventure YouTube, à rejoindre le serveur Discord, il est dans la description de la vidéo, que ce sera le serveur Discord, on pourra discuter ensemble, j'ai des parties avec les abonnés, etc. etc. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook, Twitch, sur les lives, écoutez, tous les mercredis, on fait du My Team sur NBA 2K22. Je suis d'ailleurs en train de reconstruire mon équipe des Seattle Space Needle. J'ai acheté plusieurs cartes et eu plusieurs cartes très très sympas qui vont arriver dans le line-up. Pour tout vous dire, je vais garder uniquement un joueur qui était à la base dans mon 5 majeur. Donc ça promet. Donc ouais, du gros changement. Et puis du coup, il y a des joueurs qui vont partir, des joueurs emblématiques qui vont partir. Donc voilà. Et puis sur Facebook, vous serez prévenu des sorties de vidéos, de mes projets, quand il y aura des lives. Et sur l'ensemble de la vidéo en cours, si elle va sortir aujourd'hui ou non, Agurta, etc. etc. Est-ce qu'on donne comme objectif peut-être jusqu'à Monaco avec ce niveau-là et on augmente après Monaco si ça a été trop simple, non? Qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, après faut voir, hein, c'est... faut voir, parce qu'après il peut très bien y avoir d'autres courses où on va carrément pas être dans le coup. Bah à Monaco on sait que ça va être compliqué, c'est pour ça que je te proposais peut-être d'aller jusqu'à Monaco, on verra si à Monaco Ouais. on n'est pas loin d'avoir tout gagné, on se posera la question à ce moment-là, non? Ouais, je suis d'accord, ouais. Ok. Ça me va. Bon, et bah écoutez, dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h40. Pour les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022 de Formule 1, commenté, je le rappelle, par moi-même en quasi direct, sans les images, mais avec le classement. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain pour la course de ce Grand Prix de Bahreïn. Allez, Au revoir! ciao!